Good afternoon, dear viewers, and thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News this Friday, 22, who want to pursue a career in sports. And we will be taking you towards the end of this program to the East Region to witness, of course, the enthronement ceremony of a chief. That will be our feature page this midday. Each of us must comply with the measures that have been taken. Madame, Monsieur, merci de regarder le 12 de ce vendredi 21 août sur la CRTV. Votre fidélité nous honore. Graves inondations à Douala dans la région du littoral. Le gouverneur Samuel Dieudonné Varadiboa préside en ce moment même une réunion de crise dans ses services. La ville s'est réveillée ce matin les pieds dans l'eau. La forte pluie qui s'abat depuis 3h30 du matin a entraîné de nombreux dégâts, notamment des bâtiments engloutis et les mouvements des personnes sont sérieusement perturbés. On fait le point à Douala avec Léon Bertrand Tanefo qui a bravé la pluie. Oui, pour nous dire quelle est la situation sur place. Léon Bertrand, bonjour. Bonjour, c'est un visage peu ordinaire de la capitale économique que nous vous présentons ce matin parce que depuis 4 heures, toute la ville est inondée. On annonce des ponts et des bâtiments engloutis dans notre nombreux quartiers, l'état de Makepe ou Mabanda. Les conséquences s'annoncent catastrophiques. Les populations sont bloquées. Il n'y a pas moyen de se mouvoir facilement d'un bout à l'autre de la capitale économique. Nous sommes actuellement à la mythique place de la Bessekette. C'est ici qu'ont lieu régulièrement toutes les grandes célébrations de la ville de Douala ou bien de la République à l'instar du 11 février, du 20 mai ou de la Journée internationale de la femme. Cette place est totalement engloutie par les eaux, comme vous pouvez le voir sur ces images. Des camions également sont bloqués. C'est dit l'ampleur de ces inondations, de cette pluie qui s'abat sur la capitale économique. Le ciel ne gronde pas totalement, mais les averses mouillent la terre et la capitale économique est totalement inondée. Depuis Douala, Léon Bertrand Tanefo, CRTV News. And we stay in the littoral region still to talk about this bad weather. Floods in the littoral region as nature imposes herself. The city of Douala has suffered her first major inundation since the start of the rainy season. The torrential rains have been hitting the economic capital city since the early hours of this Friday, August 21. And now let's try to hook up with our CRTV littoral regional correspondent, Alphonse Abongwa Achu, who went out to get the first images of the floods for the Midday Newscast. Douala wakes up in the wrong side of the bed. The heavens have unleashed angry rains upon the city and the population are gripped by confusion. The intensity of the damage is immense. This is the Beseke Ceremonial Ground, venue for major national events in the city. Cargo trucks, tourism vehicles and taxis are battling with water to be in motion. The news is not good at all in flood-prone neighborhoods like New Bell, Makepe Misoke and Mabanda in the Douala 4 subdivision. At the time of this report, there was no available official statistics of loss of life, but the material damages are already visible. City dwellers have reportedly been fighting to rescue their family members. The floods come days after the Minister of Decentralization and Local Development instructed municipal executives nationwide to take preemptive measures following the warning of the National Observatory for Climate Change on heavy downpour in the months of August and perhaps September. Face à cette situation grave, nous vous le disions, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Varadiboa, préside en ce moment dans ses services une réunion de crise. Nous y reviendrons avec nos reporters déployés là-bas sur le site.
Riposte sanitaire à la pandémie du COVID-19 au Cameroun, on fait le point. Le ministre de la Santé publique est face à la presse à Yaoundé. Manaouda Malachi fait une sorte de bilan des actions menées jusqu'ici dans la lutte contre cette pandémie et dit l'urgence de véhiculer les messages sur l'intérêt du respect des mesures barrières car le COVID-19 est toujours là. La rencontre de ce jour intervient après la tenue hier dans les services du Premier ministre, chef du gouvernement, de la traditionnelle réunion hebdomadaire d'évaluation présidée par le Premier ministre et par visioconférence, le Premier ministre Joseph Dion Nguté. Yoti Kaleli Songhe et Sadou Mamoudou sont au ministère de la Santé publique. Ils vont nous donner plus d'amples informations dans nos prochaines éditions. On évalue également la situation du COVID-19 dans la région du Sud-Ouest. La première réunion régionale semestrielle de coordination de la santé vient de se tenir. Il est question au cours de cette réunion de mettre sur pied des stratégies pour une meilleure gestion des pandémies là-bas. Elisabeth Nathalie Song de CRTV Sud-Ouest nous en dit plus. La courbe de gestion des épidémies et de la pandémie du COVID-19 va descendante dans la région du Sud-Ouest, avec 712 cas testés positifs. Cette première réunion régionale semestrielle de coordination de la santé se veut une plateforme d'audit, d'échange et bien plus. Pour voir ensemble avec nos partenaires, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour qu'on puisse juguler toutes les épidémies, les pandémies qui ont tendance à arriver dans notre région. Vous savez, le Sud-Ouest et donc l'une des deux régions touchées par la crise sociopolitique avec beaucoup de corollaires comme les structures sanitaires qui sont détruites, le personnel qui n'est pas en place. Malgré quelques difficultés liées au climat sécuritaire et sanitaire qui règne dans la région, il est question à l'issue des travaux qui se tiennent pendant 3 jours de mettre sur pied des stratégies pour une meilleure gestion. Nous envoyer les rapports à temps qui sont de qualité comme sur le plan promptitude et complétude. Et aussi pour veiller à ce que tout ce qui se passe dans les districts, il faut que nous soyons informés à temps parce que ce n'est qu'à travers cette mesure qu'on puisse prévenir les épidémies et aussi qu'on puisse organiser les actions de riposte à temps. Les assises étaient présidées par le responsable des affaires économiques, sociales et culturelles des services du gouverneur, représentant le numéro 1 du Sud-Ouest. Makiu Ndoumbé Théophile a saisi cette occasion pour féliciter ses acteurs venus de 18 aires de santé du Sud-Ouest pour leur professionnalisme. You're watching the midday bilingual newscast on the CRTV. And as announced in our headlines, the Minister of Public Health, Dr. Manaouda Malachi, is holding a press briefing in connection with the government's response strategy in the fight against the novel coronavirus. Minister Manaouda Malachi, as you can see in the images, is calling on the entire population to reinforce the implementation of COVID-19 barrier measures to curb the spread of this deadly virus. And the press briefing is coming a day after yesterday's weekly government interministerial meeting chaired by Prime Minister and Head of Government Joseph Dion Nguté. We'll be giving you the details of this press briefing in our subsequent news editions. And on to something else right now. We stay in the Central region. The inhabitants of villages in the Nyong Esso division have received some financial support to help them in the fight against the COVID-19 pandemic. The financial aid was raised by CPDM elite of that division in the Central region. The elite seized the opportunity to reiterate the importance of respecting COVID-19 barrier measures, which have been gradually ignored in Mbalmayo and other villages in the Nyong and So division. Rabiatu Jingi Abdulaziz reports from CRTV Center. The Mbalmayo visit was an opportunity for the CPDM barons in the Nyong and So to show their unflinching support to their party chair Paul Biya and solidarity to the country in the fight against COVID-19. The militant of CPDM of Nyong and So division decided to contribute, to participate in this fund of solidarity.
So from all the village of Nyong Eso Division, we receive contribution, and today we are sending that contribution to that fund to the head of the division to remind that Nyong Eso Division is supporting the work of President Paul Biya. Although there has been a decrease on the respect of barrier measures like the wearing of face masks around Balmayo, the authorities used the opportunity to plead with the elites to continue sensitizing the population on the dangers of COVID-19. It is an opportunity for us to remind that there is, we have to continue the sensitization in the field, in the fight against COVID-19. The third element is... At the end of it all, the senior divisional officer for Nyong and So, Songa Pierre René, appreciated the heartful gesture of solidarity, and he promised to channel their message to the rightful quarters. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. And it's a beautiful day for these 75 students of the Sub-Regional Institute for Applied Economics. We are currently receiving their end of course certificates in Yaoundé, drawn from the 6 countries of CEMAC. The graduates have been trained as senior technicians, statistical engineers, and economists. The ceremony is being presided at by the Secretary General at the Ministry of Economy, Planning and Regional Development. Emmanuel Mvemui is live on campus and now joins us with updates. They are walking out of the Sub-Regional Institute for Applied Economics with certificates in 3 main disciplines. Senior technicians, after undergoing training for 4 years, equally as engineers in applied statistics and engineers in statistical economy. They are students, men and women from 6 CEMAC countries who are taking part in this ceremony that's expected to be chaired by the Secretary General in the Ministry of the Economy, Planning and Regional Development. An institution that has been existing for 36 years. It tries to upgrade the level of African youth in the management of economic situations, giving them the knowledge that will require them to give out probable solutions to problems faced by the African continent. And after 3 and 4 years of their training in the Sub-Regional Institute in Yaoundé, they are going back to their different countries, 75 of them in number, to provide the solutions that each of their member countries require to step up the economic situation of the country. Reporting live from the Sub-Regional Institute of Applied Economics, downtown Yaoundé, Emmanuel Avemui for the Midi News. Vous venez de le voir, la 36e promotion de l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée est arrivée en fin de formation ce vendredi. 75 élèves venant de 6 pays de la CEMAC ont été formés dans les domaines de la statistique, d'ingénierie d'application, d'ingénierie statistique et économiste. La remise des diplômes se déroule en présence du secrétaire général du ministère de l'Économie. Écoutons un lauréat de cette promotion dans cet extrait sélectionné par Catherine Toulou. Elanga. C'est un domaine très transversal. Avec ce diplôme, on pourrait exercer partout, absolument dans tous les domaines. Et il incombe donc à l'ingénieur statisticien, avec le bagage intellectuel qu'il a ici, avec toutes les méthodes statistiques aussi robustes qu'elles soient, arrivées dans une structure et pouvoir trouver le moyen d'insérer la statistique pour résoudre les problèmes concrets. On reste en éducation. Fraude au baccalauréat de l'enseignement général session 2020. Les responsables sont connus depuis lundi. Les sanctions aussi. Le ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalo Valiong, a rendu public les résultats de la commission d'enquête administrative. La chaîne éducative réagit à ce dénouement dans ce reportage que signe Barbara Pajama.
Cette sanction disciplinaire délie les langues dans la rue. Ce ne sont pas des bruits de couloir. Les figurants de l'histoire à retenir ont approuvé la leçon. Ceux qui sont impliqués dans la chose académique doivent apprendre de grandes leçons. La sanction prise par Madame le ministre de l'enseignement secondaire, ça luttait pour moi. Parce que quoi, ça crédibilise un peu notre système éducatif. Ça peut servir d'exemple, ça peut un peu servir de nettoyage. Pour moi, c'est vraiment très bien. À la maison, les parents d'élèves, eux, ont gardé une oreille sur le dénouement de cette fraude au bac 2020. Il faut bien que les enfants apprennent à faire des efforts pour réussir. Mais si tout le temps, une décision comme celle du ministre à suspendre les responsables, je crois qu'elle est très bienvenue. Et à l'école, les conséquences de cet incident est une conclusion du cours d'éducation civique et citoyenneté. Ça va nous servir de leçon, nous les élèves, et puis quelqu'un va réussir son bac étant fier. Je trouve qu'ils ont bien fait parce qu'ils sont en train de prouver la jeunesse de demain, comment être fort. Il faut travailler pour avoir ce qu'on doit avoir pour le lendemain. La sanction est consommée, le cours de la fraude asséché. Ce qui coule à flot à présent, c'est la transparence et la crédibilité. Réduire la dépendance du Cameroun des importations des produits pharmaceutiques, c'est l'objectif de la visite engagée par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique dans les industries pharmaceutiques à travers le pays. Gabriel Dondo Ndoké a visité hier à Fomacap, dans le département de la Lekie, Tebimosa Pharmaceuticals, qui produit les comprimés et des gélules. Le compte rendu de Cyril Kingé Mbepe. L'industrie est naissante, pourtant elle affiche déjà ses ambitions. À terme, elle va produire 7 milliards de comprimés pour des pathologies connues. On reconditionne déjà et on sort à peu près 9 médicaments dans lesquels on a des médicaments traitement du paludisme, les mycoses, les vers intestinaux. Le gouvernement va soutenir la filière industrie pharmaceutique. Objectif, réduire la dépendance du Cameroun aux exportations. Le site pour la future implantation d'une unité de production pharmaceutique. Cette visite s'inscrit dans le cadre du programme instruit par le président de la République d'accompagnement des acteurs de l'industrie pharmaceutique dans notre pays pour développer notre industrie pharmaceutique afin de rendre en perspective notre pays autonome au plan de la disponibilité en médicaments. La visite du ministre en charge de l'industrie va se poursuivre ailleurs au Cameroun pour les 16 industries pharmaceutiques déjà agréées. En Fomacap, le gouvernement a engagé les industriels à plus de créativité. And this piece of information concerning the Ministry of Secondary Education, the decision by the Minister of Secondary Education to sanction credibility during the 2020 baccalaureate session, and far from street talk, a three-month sanction has been meted on them, a decision widely acclaimed. It's a cleansing agent in a society that has been so corrupt towards showing the transparency of the exams, the credibility of the exams, and making meritocracy to stand tall. Fraud in the examination sector isn't new. Siddiqui knows a thing or two. This happened during my own times in 2018. Some of us even went to the village and the subject were repeated without our own knowledge. Parents measure the impact of the decision. If all the time they hear about leakages like that and nothing is done, students not work even again. But should this end here? Mere suspension is not enough. The minister should go further, give harder sanctions. For students, meritocracy must take pride of place. Make the youth to study and perform well in their exams. Somebody will win his exam knowing he has merited and not that he has cheated. The sanction serves as an example for some and a lesson for all. And we join our voices to say no to exam malpractices. And two-time Olympic gold medalist Françoise Mbango has set up a sports institute which she says will give more opportunities to young Cameroonians desirous to pursue a career in sports. The 44-year-old, who has been involved in various initiatives to develop athletic talents in Cameroon, launched her sports institution yesterday in Yaoundé. Danielle Ekonde was there and now reports. She started with Africa Jump, moved to Francois Mbango Foundation,
Now, Mbango, known for winning gold in triple jump at the 2004 Olympics in Athens and the 2008 Beijing Games, is establishing a sports institute. The most important thing is what I'm doing today, to give something for the future, for our youngest, so they can learn more about how to manage sports, how to manage many things. She says she wants to lift up young Cameroonians who would like to take up sports as their career, but have limited options. Her institute is recognized by government and based in Yaoundé. It will start admitting students who will also be trained in sports management. Et Françoise Mbago qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous. C'est une nouvelle casquette que vous arborez aujourd'hui en tant que promotrice d'un institut de formation, l'Institut des sports et de l'éducation physique Françoise Mbango, ICEP FM, qui va ouvrir ses portes à la rentrée le 5 octobre 2020 au quartier Ahala, ici à Yaoundé. C'est quoi la particularité de votre centre de formation? Alors, merci. La particularité de l'Institut Françoise Mbango qui va ouvrir ses portes à la rentrée prochaine est que nous allons deux filières de formation. Nous avons déjà les filières STAPS, qui sont les sciences et techniques des activités physiques et sportives, dont nous allons former les étudiants, nos prochains apprenants, dans les métiers du sport pour être des enseignants d'éducation physique et pour être aussi des maîtres d'éducation physique. La deuxième filière, c'est dans le management. Le management a donc deux options, l'option administration du sport et l'option événementiel du sport. Voilà la particularité de notre institut. Et quels sont les profils que vous allez recruter ou alors que vous êtes déjà en train de recruter? Alors nous prenons des étudiants qui sont munis d'un baccalauréat et ils vont se former sur une période de 2 ans pour le BTS en management et ils vont aussi se former pour une période de 3 ans pour obtenir un certificat d'aptitude au professorat du sport. Donc, voilà ce que nous attendons de nos étudiants. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut être détenteur du bac. Et après, il y aura des fiches d'inscription où il faudra remplir toutes les modalités pour être retenu. Après, qu'on ait étudié les dossiers de chacun. Voilà. That must be some good news, Martine, for young Cameroonians who want to excel in sport. You know, before now, I think we had just the National Institute of Youth and Sports. This is another one coming. Mm-hmm. Now, Françoise Mbango, this other question I want to ask you. Most people would have expected for you to be a trainer. Exactly. What happened? What prompted you instead to come with an institution? I know. All of us, everybody can think that I will be a trainer. Mm-hmm. No. I need to leave some heritage for okay. to the youngest generation. That's why I think that. Comment je veux dire en français. Voilà. Je pense que la formation et l'éducation est le meilleur héritage que je puisse laisser à la génération future. Et le sport, c'est quelque chose qui est très important pour les jeunes Camerounais. Il y en a beaucoup qui veulent le faire, ceux qui veulent le pratiquer et ceux qui veulent travailler dans le domaine du sport. Mm-hmm. Voilà pourquoi j'ai préféré ouvrir un institut de sport pour que chacun puisse se former au métier du sport et au management du sport. Qu'est-ce que vous pensez qui va motiver les futurs bacheliers à aller à l'Institut des sports et de l'éducation physique Françoise Mbango? Est-ce que c'est le fait que c'est Françoise Mbango qui en est la promotrice ou alors est-ce que vous avez mis des choses en avant qui peuvent les motiver? Alors déjà, ce n'est pas parce que c'est Françoise Mbango. Il y a plusieurs choses qui m'entrent en jeu. C'est que déjà, beaucoup de jeunes veulent entrer dans le métier de sport. Nous avons dans les candidatures présentes, par exemple pour entrer à l'IEGS, il y a 3000 candidats, mais juste pour moins de 50 places. Donc il y a vraiment de la demande. D'un autre côté, il y a le besoin. Parce que vous avez des établissements aujourd'hui, que ce soit dans le privé ou dans le public, il y a des établissements qui n'ont pas des enseignants d'éducation physique et qualifiés. D'un autre côté, je suis entourée des experts qui sont des docteurs et des professeurs dans le domaine du sport. Donc, ils auront des enseignants vraiment qui ont la haute connaissance du domaine du sport. Nous avons aussi, pour nous, c'est un besoin et quelque chose d'important d'accompagner l'État dans la formation des jeunes dans les métiers du sport. Bien entendu, l'autre particularité, c'est que moi-même, je vais accompagner ces enfants à partir de mon expérience et des valeurs que j'ai apprises durant toute ma carrière.
Françoise Mbango, promotrice de l'ICEP FM, merci d'être venue partager cette information avec nous sur ce plateau. Et bon vent à vous dans cette nouvelle aventure. Merci. Je voulais juste donner un contact pour ceux, les autres, les apprenants qui veulent avoir plus d'informations. Donc, vous avez le mail qui est icep8fm@yahoo.com. Le contact téléphonique 695-548-821 et 653-764-050. Et merci à tous ceux qui m'accompagnent, le ministère du Sport, le ministère de l'Enseignement supérieur et bien entendu le chef de l'État pour son accompagnement afin d'ouvrir cet institut supérieur. Le message est passé, vous restez, vous ne partez pas, Diane, la suite. Yes, and Martina, we're announcing this at the beginning, the start of the newscast, Cameroon's pioneer female minister and writer, Delphine Changa, who died last July 16, as you can see on the images, has started her final journey to eternity with her coffining, which is programmed at the mortuary of the General Hospital. You can see that they are just waiting for the time for the ceremony to kickstart over there. Our reporters are at the mortuary of the Yaoundé General Hospital, and they will be giving you the details of this piece of information in our subsequent newscast. And we want to say, Martin, may the souls of the departed rest in peace. And after this sad story, we take you to our feature page. We are moving to Baturi, the eastern region of Cameroon. There we will witness the enthronement. We are about to witness the enthronement ceremony of a paramount chief who is taking power 34 years after a vacancy of the palace. Let's now move over with our guide, Tala Elti, for the details of this beautiful adventure. 4 years vacancy at the helm of the Kakobonjo chiefdom, the population did not in any way forget their tradition and customs. C'est toujours un plaisir de découvrir nos richesses culturelles, madame, monsieur. C'est avec cet élément qui nous est venu de la belle région du soleil levant que nous mettons un terme aux 12 heures de ce vendredi. Merci, merci d'avoir été là tout au long de cette semaine avec nous. L'équipe du week-end, Sidoine Mankam et Raina Toussali, prennent le relais. Diane et moi-même aurons le plaisir de vous retrouver lundi lorsqu'il sera 12 heures sur la CIA TV. Bonne dégustation à vous qui êtes à table et très bon week-end. Diane Gassassio. Monday with same pleasure. See you on Monday. Have a beautiful weekend and have a beautiful weekend in the company of our programs. Each of us must comply with the measures that have been taken. Cameroon, an African country situated in the Gulf of Guinea, is harboring a vast road construction program. President Paul Biya has planted an infrastructural development program. My assessment is that the works are going on very well. While waiting for its completion, trucks are already plying the roads. The road network remains a veritable channel that could transform the quality of lives of all Cameroonians. Acclamé, 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 acclamé.